Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis responsable marketing digital chez Twill, une start-up de e-commerce dans la vente de vin et de champagne en direct producteur. Bonjour, je m'appelle Samy Sloussi, ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint le groupe Taïwan et j'accompagne les marques à fort potentiel de développement. Donc Twill, c'est l'acronyme de The One I Love, parce qu'on part du principe que le vin, c'est comme un coup de cœur. On tombe dessus sans vraiment le vouloir. L'idée, c'est qu'on a un site et une application qui vous connectent au producteur juste en prenant l'étiquette de la bouteille en photo. Donc ça va du coup de cœur chez vous au restaurant que vous revivez après chez vous à domicile. Alors au départ, l'idée, c'était un site qui partait. On partait vraiment de rien. Le site, il n'y avait vraiment aucun trafic, aucune acquisition. Donc, arrivé à un certain stade, on a vraiment eu besoin de gagner en volume, donc en volume de trafic, en volume de conversion. Et c'est vrai que les leviers classiques ont fini par ne pas suffire. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser à l'affiliation, au display, à vraiment d'autres solutions qui pouvaient nous aider, nous accompagner dans ce développement. Alors j'ai benchmarké pas mal de solutions. C'est vrai que Taïwan est vite ressorti du lot, dans le sens où par exemple les frais de setup étaient vraiment adaptés à notre solution, que j'ai eu rapidement un interlocuteur vraiment qualifié, vraiment dédié, qui a pris en compte tout de suite mes besoins, parce que bon, comme on est une start-up toujours en phase de développement, il y a vraiment un gros enjeu performance, héroïste. Donc, c'était très intéressant de trouver ces collaborateurs. On a vu rapidement que le programme Twill plaisait, parce que dès la première année, il y a eu quand même pas mal d'éditeurs qui ont rejoint le programme. Donc c'est vrai, on a eu tout de suite un certain volume, de plus en plus qualifié, donc avec de plus en plus de conversions. Il faut plusieurs points de contact pour générer une conversion. Hein. La première touche étant notamment faire découvrir la marque ou le produit auprès des internautes. Hein. Ça peut se matérialiser en termes de levier si on s'appuie sur des influenceurs, des blogueurs qui vont rédiger des articles pour intéresser leurs internautes. Le principal besoin, c'était vraiment de trouver les leviers qui généraient le plus de conversions en fil rouge tout au long de l'année, mais aussi pendant nos temps forts, à savoir la foire au vin, les fêtes de fin d'année. C'était vraiment des moments importants, donc il fallait trouver les bons leviers pour avoir le plus de conversions. Nous avons mis en place avec notre BU programmatique une campagne de lookalike en display. L'objectif, c'est de pouvoir toucher le bon internaute en lui affichant la bonne bannière. Donc, il faut effectivement que nous appuyions sur de la data pour pouvoir toucher cet internaute cible et lui pousser le bon message au bon moment. Donc, nous avons activé la solution emailing pour pouvoir générer beaucoup de trafic sur site et potentiellement les faire convertir derrière. Donc nous sommes appuyés sur notre top partenaire emailer. Donc 2018, c'était déjà la deuxième année de collaboration, donc une année très prometteuse également parce qu'on a eu beaucoup de trafic, beaucoup de conversions, un ROI vraiment très intéressant et un coût d'acquisition presque imbattable sur notre programme à la performance. En particulier par exemple, grâce au retargeting, au programme en cashback et en coupon. Donc c'est vrai que c'est des solutions sur lesquelles on met beaucoup l'accent dernièrement. La principale clé du succès, selon moi, pour Twill, c'est l'investissement d'Hélène sur son programme au quotidien. C'est le fait qu'elle nous challenge, qu'elle nous demande toujours d'aller chercher plus loin de nouvelles solutions. C'est vraiment une mise en place d'un cercle vertueux en étant ouvert vers les éditeurs qui a permis le succès du programme Twill. Alors clairement, c'est vraiment la réactivité, la disponibilité et le suivi de mes interlocuteurs. Tous sont vraiment très réactifs, très experts sur leurs solutions. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un retour d'expérience, pas mal de conseils, d'accompagnement. Ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant pour moi parce que j'ai pas cette expertise et ils me l'apportent volontiers. Donc là, pour 2019, on a des gros enjeux parce que la startup est toujours en pleine croissance. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on booste tous les leviers qui marchent bien. On est prêt, c'est vrai, à investir beaucoup plus sur ce qui marche. Donc on a vraiment besoin de gagner encore en trafic, en conversion, à activer encore d'autres BU, peut-être sur d'autres sujets, d'autres solutions qu'on nous proposera. Il y a encore beaucoup de travail à faire et je suis confiante.